Bon, désolé tout le monde. Bonsoir à tous. Donc là, vous êtes chez les particuliers. Donc désolé, on est un peu en retard. On a dû parler un peu avec le particulier pour la rassurer et pour faire un peu le topo, ce qu'on allait faire. Et on va passer une bonne soirée, je pense. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas de partager. Quoi? Est-ce que tu as déjà vu une ombre rampée ou pas? Ici, là. Non plus. Et rampeur? S'il y a des rampants, c'est pas du tout. Donc, Mika. C'est ouais. Pas du tout. Non, c'est plutôt une soumission, ça. C'est... Tout ce qui rampe, c'est plutôt par soumission qu'autre chose. C'est fou. Dès que tu rentres dans cette pièce, j'ai senti des styles à toi. Oui. Attendre. C'est plutôt de la soumission. Donc, bonsoir c'est tout le monde. Plutôt quelqu'un. Oui, qui, pas son voilà qui s'amène s'amène en disant je peux plus grand, plus... je peux ou je peux pas voilà c'est plutôt dans ce style là. Coucou tout le monde. Plutôt attends ouais. Ce tapis hein. Enfin, pas oui comme quand on se met dans derrière un bosquet en guettant un peu savoir ce qui se passe. Désolé. On va vous expliquer pourquoi on est un peu à la bourre. Un partage, oui. Je sais pas si tu peux partager le lien. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandrine, bonsoir tout le monde. Alors désolé, on a été un peu en retard parce qu'on devait expliquer un peu comment ça allait se passer. Et puis voilà, donc on y est, ça y est. On est sur les lieux. Donc l'enquête va pas tarder à commencer. Normalement, tu dois prendre sur le côté, tu dois avoir le lien. Pour ceux et celles qui ont le lien, n'hésitez pas de le mettre sur le live. Comme ça, ça permettra aux gens de le partager. Merci à vous tous. Ah, désolé, hein. On aime bien se faire désirer un peu. Mais bon, on vous expliquera un peu mieux pourquoi. Allez, Fred. Allez. Voilà. Donc on a demandé aux particuliers de nous laisser. Le moindre souci, tu nous dis hier. Voilà. Parce que cette personne est enceinte de 8 mois. Et donc, par précaution, on lui a demandé de sortir du lieu. Voilà. Mais tout ce qui va se passer, elle sera tenue au courant. De toute façon, il y a le live qui sera en replay. Et elle va se le suivre avec Jérémy, qui va la protéger aussi. Voilà. Oui. Alors, on attend qu'ils sortent. C'est bon. Ok. Ça devrait pas trop. Voilà, tout à fait. Précaution, sécurité, c'est avant tout. Voilà. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. D'accord. On ne sait pas sur quoi. Oui. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Bah merde, on est enfermé. Elle nous a séquestré. Oui, non, on est enfermé. On sort comment là? Moi, je suis au front. Et... T'as les fenêtres, Cécile. Ouais, ah, il y a Ulrich qui est là. Heureusement qu'on est au rez-de-chaussée. Coucou Ulrich. Merci à vous tous d'être là. De nous soutenir. N'hésitez pas à partager pour ceux et celles qui le peuvent. Et puis, c'est parti. On va installer le matos. C'est quoi ce son? C'est la télé? Jérémy, baisse le son parce qu'on vous entend, ça va résonner. Ouais, on vous entend. Enfin, on nous entend. Ah, parce que ça me passe. On s'entend. On s'entend. Salut Cédric. Ouais, non, précaution. Voilà. Donc, on va installer le matos, d'accord. Donc, on a amené le pod, enfin tout le matériel. On a amené aussi de l'encens, et puis de la sauge, puis une bougie aussi, pour pouvoir... aider cette personne, voilà. Cécile, c'est bon? Oui. Tu es prête? Oui. On y va. Alors, est-ce que tu penses le mettre? Qu'est-ce que tu penses? Donc, on va essayer le premier détecteur. Alors, on peut en mettre un là, ici. Donc, celui-là, il indiquera... Donc, le détecteur, on va le mettre... Contre. Non, dans le couloir. Carrément. Entre la salle de bain faudrait, et l'entrée faudrait éteindre la pièce ici. On va voir. On va se mettre dans le noir, les amis.
D'accord? Mais on va avoir les lampes, d'accord? Parce que comme vous devez savoir, l'obscurité pour eux est très importante. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à vous tous. Cette enquête, vous la retrouverez bien sûr sur notre chaîne YouTube à la suite de notre saison 2. Alors, est-ce que tu peux me tenir le téléphone, s'il te plaît ? Je suis en train de réciter quelque chose. D'accord. S'il te plaît. Bon, bah, je vais me débrouiller. Hein. Vas-y. Merci. Tu me coupes dans mon... Ah, je m'équipe, ouais. Putain, j'ai la tête. J'ai une de ces têtes. J'ai oublié mon bonnet. Alors, donc on a positionné... Tu peux pas faire un turban avec mon écharpe ? Non. On va positionner le deuxième. Jérémy, il a amené ça. C'est... Si tu voulais la tester avec le... Ouais, pas de soucis. Ma chaîne. Pas de soucis. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à partager le live. Merci à vous tous d'être là. Donc vous êtes en direct live chez un particulier. Il se détecte comment ? En largeur ou en longueur, celui-là ? Alors, celui-là, il a qu'un côté. Alors, attendez. Alors, faut le mettre dans l'autre sens, par rapport au dessin. Hop, je vous tourne. C'est parti. Vous ne me voyez plus. Alors, normalement, il s'allume sur le côté. Donc, voilà, tu... mets-le, voilà. Comme ça ? Ouais. Voilà. Donc on a positionné, on va éteindre là, le couloir. Oh. Ouais, ça m'a fait pareil aussi dans la chambre. Hein. Quand j'ai voulu aller éteindre. Ça a sauté. Mmh. Ouais. Pour moi, tu les réveilles vert, ça fait. D'accord. Ouais, ça m'a fait pareil aussi dans la chambre. Hein. Ça doit s'éteindre comme. Alors, est-ce que vous êtes tous équipés, c'est bon ? T'as ta lampe, elle est où ? Il me faut une lampe ? Bah oui, on va se mettre dans le noir, je t'ai dit. Et alors, on n'a pas forcément besoin de lampe ? Bah si. Bah tiens, la tienne et moi j'ai la mienne. T'as pas peur, Céline ? Non. Ouais. Céline, je sais pas si elle a peur, mais moi, ça va. Voilà, les amis. Alors, c'est parti. Tu dois avoir une Céline qui t'occupe l'esprit. Je sais pas. Il y en avait une, oui. Mais bon. T'as le béguin pour une Céline ? Ce fut avant. Donc, bonsoir à vous. Donc, je m'appelle Alexandre. Je suis accompagné de Cathy et de Cécile. D'accord ? Bonsoir. Nous sommes là pour entrer en contact avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Nous avons amené avec nous des appareils de communication. Donc, je vous... Ah. Tu vas bouger. Je n'ai pas bougé. Bah, moi non plus, je suis encore plus en retrait. Alors, attendez, on va attendre. Merci. Est-ce que vous pouvez le rallumer, s'il vous plaît ? Donc, passer devant ou le toucher, comme vous l'avez fait. Merci. Avant que ce soit moi. N'ayez pas peur, ça ne fait pas de mal. Hein. Regardez, je vous montre comment ça marche. Vous passez, vous êtes, je suis vous. Voilà, ça s'allume. Pareil pour l'autre qui est placé dans le couloir. Vous voyez ? Hop, ça s'allume. C'est normal. D'accord ? Vous pouvez le toucher aussi, vous pouvez passer devant, ça va s'allumer. Ça nous permettra de savoir votre présence. Voilà, donc ça s'est éteint. Le premier s'est éteint, le deuxième va s'éteindre aussi. Parfait. Est-ce que vous pouvez le rallumer, s'il vous plaît, pour montrer votre présence ? Si vous le pouvez, bien sûr. Sinon... Ça, c'est dehors. Ne vous inquiétez pas. Alors, sinon... Tiens. Tu me le tiens, mais tu me filmes pas. Je vais installer le pod. Donc ça c'est un pod, d'accord ? C'est comme ça que ça s'appelle. Alors comment ça fonctionne ? Je suis vous, alors vous passez dedans, et ça va sonner. Hop, regardez, vous touchez, ça sonne. Oui, j'ai touché, ça a mis des couleurs. Et c'est inoffensif, c'est pareil. C'est un gadget. Vous pouvez aussi vous manifester grâce à cet appareil qui est là. S'il vous plaît. Merci.
C'est Rémi, on t'entend. Jérémy, on t'entend. Un peu de silence. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Je vais vous remontrer comment ça marche. T'as entendu un grondement? Ah oui. Bah, j'ai entendu la chaudière qui faisait clic clic clic. Oui, mais... Non, il y a eu un grondement comme un, oui. Comme un groin. Est-ce que c'est vous qui venez de grogner? Vous pouvez nous dire oui? En vous manifestant grâce à nos appareils? En passant devant ou... Je vous montre... La lumière qu'on vous a mis là-bas. Je vous montre comment ça me remarche. Regardez. Je suis vous. Regardez. Hop, ça s'allume. Et ça, c'est pareil. Vous touchez. Voilà. Et ça, c'est pareil. Hop. Ça s'allume. D'accord. Vous pouvez toucher. Vous pouvez passer devant. Ça ne fait pas de mal. C'est inoffensif. Et nous ne sommes pas là pour vous faire de mal. Nous sommes là pour entrer en contact avec vous. Et si vous souhaitez de l'aide, nous pouvons vous aider. D'accord? T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Tu veux poser des questions? Non, je suis pas dans la même optique, donc je peux pas. Moi, je suis plutôt dans l'optique comme chez... c'était comment elle s'appelait? Laetitia. C'est-à-dire de dire qu'on vient chercher la paix pour la personne qui habite ce lieu. D'accord. Alors, pas dans... on vous doit la vérité. On vous doit la vérité, je ne sais pas si vous le savez. Mais sachez que... vous êtes mort. Et que nous sommes en 2018. J'ai aussi amené avec moi un autre appareil, ça s'appelle une spirit box, d'accord? Vous allez pouvoir parler dedans, on va pouvoir vous entendre. Je vais l'allumer. À partir de maintenant, attention. À partir de maintenant, c'est à vous. Bonsoir. Vous pouvez parler dans le petit boîtier que je tiens dans la main. Allez-y, je vais vous entendre. Bonsoir. Radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Radio. Bonsoir. Est-ce que le papa de Sabine est là, s'il vous plaît? Elle sent un truc sur elle, me dit Jérémy. Elle sent un truc sur elle. D'accord. Donc, c'est ton père. C'est ton père qui est sur toi. D'accord.
Ouais. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, s'il vous plaît? Femme enceinte. Oui, c'est Sabine qui est une femme enceinte. Qui êtes-vous? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, ce bruit, c'est la spirit box. Est-ce que vous voulez du mal à Sabine? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes mort? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. C'est pas là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça, c'est radio. Est-ce que c'est au bébé de Sabine que vous voulez faire du mal? Oui ou non? Sabine a vu un truc blanc sortir de l'immeuble et elle a entendu pleurer. Il fallait pas le dire. Pourquoi il fallait pas le dire? Pourquoi il fallait pas le dire? Parce que l'autre, tout à ce moment-là, comprend, il est plus bien. Il veut poser le bébé, c'est ça? Il fallait pas le dire, ouais. Vous voulez. Ah, c'est ça, posséder le bébé. Oui. Vous voulez posséder le bébé, c'est ça? Êtes-vous un esprit maléfique? Oui. Pas entendu, parle trop. Vous pouvez aller. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes démoniaque? Non, on va pas faire. Ouais. Oui. Ah, c'est... Pourquoi vous êtes aussi grossier? Prouvez-nous que vous l'êtes pas, que vous n'êtes pas démoniaque. Prouvez-nous. Allumez la lumière, par exemple. Je sais pas, du détecteur ou du pod pour montrer votre présence. Vous touchez. Normalement, vous touchez, vous passez devant, ça s'allume. Tant qu'à faire, ça dit. Ah, vous êtes démoniaque alors? Pourquoi vous voulez
vous en prendre à Fabien et à son bébé. Un putain magique, c'est ça? Hein? C'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes une entité magique? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. Répétez, s'il vous plaît. Merci. Exorcisme. Hein? D'accord. On va s'arrêter pour la séance de Spirit Box. Merci. Il y a un ghoul, il m'a dit. Oui. Il y a un ghoul. Le sang, là, il est là. Très froid, là. Tu me donnes, je suis gelée. Ouais, mais je sais, je le sens. Je le sens. Il y a un ghoul. Parce que parmi les dons qui ont été. Qui m'ont été révélés, il y a l'exorcisme. Et ça, c'est révèle un peu ce qu'on avait eu comme pendule. Là, je sais pas, là, mais il y a quelque chose, là. Je le sens. Elle a froid et je suis gelée, là. Là, c'est sûr. On va purifier les lieux. Je pense que c'était la seule chose à faire et à faire comme pour Laetitia à dire. Ouais. Ouais, va falloir quitter, va falloir partir. Va falloir laisser. La laisser tranquille. Sabine, tranquille. Il va falloir trouver une autre proie et surtout vous repentir et partir. Vous devez chercher le repentir. Vous devez vous repentir. Et laisser Sabine. Sabine n'est pas une proie pour vous. On vous dira exactement ce que c'est un Gould. J'arrive à reprendre ma chaleur. Mmh. Mais j'ai beaucoup de mal. Mmh. Ok. Repousser. On va purifier les lieux. Je ne suis pas prête pour un exorcisme. Ouais. Non, mais le sang est là. Je ne suis pas préparée. J'ai senti le froid qui venait vers nous. Je peux le faire. Ouais, après. Je peux le faire, mais je ne suis pas entraînée à le faire. On va. C'est pour ça que je ne tenais pas du tout à ce qu'elle soit là. Bah, ouais. Non, mais je sais, ouais. Ah, bah, de toute façon, voilà quoi. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'elle sorte absolument pour la protéger, le bébé. Voilà. Parce que si on a d'humain un peu du mal à le faire, c'est elle qui est en première ligne. C'est ça. Un Gould. Sans eux. Alors, il daterait ce matin, on a fait quand même pas mal de pendules sur le sujet, déjà pour savoir si on pouvait venir. Et ensuite, on a essayé de trouver de quand dater l'entité. A priori, elle était entre 1800 et 1900. Ouais. Malheureusement, on n'avait pas une table très précise, donc on n'a pas pu réduire les, les dizaines et les choses comme ça. Mm. Il nous manque encore un peu de choses, on progresse, on avance, mais il nous manque encore un peu de... Vous savez ce que c'est exactement un ghoul, les amis? De matériel. Oui. Vas-y. C'est comme un djinn. C'est pour ça qu'on explique, c'est quelqu'un de... C'est un démon. Qui fait... Démon. Pas forcément de ce niveau-là, pas forcément de ce grade-là. Pas loin. C'est une entité... Pas loin. Maléfique, magique et maléfique, comme un. C'est ça, comme on a eu comme confirmation. Voilà. Une entité magique, donc. Comme un esprit malin, quoi. Et qui veut s'approprier. Voilà. Donc je n'ai pas de personne. Démon, je crois pas, non. À ses côtés. Je n'ai pas de personne à non, ses côtés. Non, pas démon. Qui ait une aura suffisamment puissante pour la protéger. Ouais. On se retrouve avec. Je vous l'avais dit, les amis. Ça fait deux fois qu'on fait ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été belle. Je sais pas si tu vas la voir. Cette réunion, on en avait une belle verte. Ça fait deux fois qu'on fait ce genre de choses. Oh! Tu as vu? Oui. On l'a vu. Ouais, là. Ok. Bah écoutez, on va purifier les lieux et puis. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mmh.
va pas prendre. Voilà. Donc on lui a dit de quitter les lieux. Donc s'il veut bien quitter les lieux, bah, surtout, voilà. Surtout, et de laisser de tranquille. À Sabine. Ouais. Et de la laisser tranquille. Ok, ça marche. De toute façon, on va arrêter le live là. Non, pourquoi le live? Non. Elle veut rentrer là, Sabine. Ah. Mais oui, mais on n'a pas fini là. On n'a pas fini la purification. On peut pas. Elle a, on n'a pas fait la purification. On a juste posé les questions. Attendez qu'on fasse la purification et puis elle pourra rentrer. Oui. On va le faire tout de suite. C'est pour ça que je voulais commencer tout de suite par ça. Vas-y. Pouvez-vous me... Attends, non, non, Véro. De... Tu pourras écouter le live, ce n'était pas de la radio du tout. On a eu vraiment des mots très chauds. Exorcisme. On a eu Gould, le mot Gould. Mm. Ça, c'est pas un nom que tu entends souvent à la radio. Mais je crois qu'il a dit, vous me prenez pour un Gould, un truc comme ça, ou je suis un Gould, je sais pas. Faudrait que je réécoute. Faudrait que je réécoute, mais en tout cas, il a précisé le mot Gould. Voilà, voilà. Donc on va purifier les lieux, les amis. Et puis donc on va arrêter le live. Voilà. Donc je pense que vous devez imaginer commencer les purifications. Si de toute façon, si un jour vous ne savez pas comment purifier certains lieux, on vous fera une vidéo. D'accord? Mais étant donné qu'on n'est pas chez nous, donc voilà. Donc on va purifier les lieux. Et voilà. Tu veux pas les laisser assister? C'est pas gênant, hein. Vous voulez, enfin, ils vont voter, on va voter. Vous voulez voir la purification? De toute façon, comme elle va quitter les lieux, la seule chose qu'il faut, c'est pas que ce soit attaché à ses affaires, c'est tout. Mmh. Et que après ici, ça soit le plus purifié possible. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Chloé est d'accord. Nat est d'accord. Envoyez-nous beaucoup d'ondes positives, okay, pour nous aider. Ouais. Il faut absolument qu'on réunisse très bonne pensée. Le plus de mais positives. De toute façon, nos archanges sont déjà là. Mes protecteurs, ouais, sont là. Il faut le plus possible qu'on ait d'ondes, ouais, positives pour pouvoir vaincre cette... Merci à vous tous. Cette force négative. Mmh. Ça va peut-être... faire mal, mais c'est pas grave. C'est quoi une orbe très rouge? Ah, ça, faudra demander à Neil. Il est plus calé sur ça. Moi, je suis pas trop calé sur les orbes rouges. Tu sais ce que c'est exactement? Normalement, c'est la puissance sur le prisme, mais bon, après, je... Ok, bon, bah, bienvenue à la purification. C'est parti. Allez, les filles. Prenez l'encens, la bougie, la sauge. Cécile, tu commences ta prière, c'est ça? D'accord. Donc Cécile récite un texte pendant ce temps. Et on va arrêter. Je vais arrêter le... Ça c'est moi les amis, voilà, c'est normal. Et ça c'est moi aussi. Voilà. Donc ça nous confirme bien. C'est parfait. À Spirit, c'était très net. Pour ceux et celles qui ont manqué le live, donc nous sommes en présence d'une mauvaise entité. Voilà. Mais il faut que cette entité se répande, enfin se repente. Voilà. On peut rallumer, hein. Coucou Amandine. Oui, il y a eu pas mal de choses, surtout à la Spirit. Voilà. Merci pour ceux et celles qui nous encouragent. Alors moi, je suis en train de le découvrir, mon archange. Donc il y aurait Michael, qui serait mon archange. Et après, il faut que je le découvre d'autres. Mais en ange gardien, je te le dirai demain. Mais en ange gardien, je te le chercherai demain. Tes parents, mais comme il y en a trois. J'ai eu mon arrière-grand-père du côté de ma mère qui venait me parler cet après-midi avec le pendule. Et ce fut très très touchant ce qu'il nous a dit. Très touchant.
très bluffant. Et franchement, je suis, voilà. Merci à vous tous. J'ai pensé qu'il y en aurait forcément. Deux. Mais des allumettes. Mais en fait, il n'y a qu'un allumette. Mais bon. Alors, comment ça se marche, tout là? Ah, voilà. Donc, allumage de la bougie. Voilà. Bougie blanche. D'accord, Nat. De toute façon, on vous fera une publication sur les archanges. Mais Merkel, d'accord. Tu fais appel à Saint-Benoît? Je vais utiliser le... Oui. Je vais utiliser l'ensemble de Saint-Benoît pour ici, pour le laisser se répandre partout. Et par contre, on utilisera la sauge blanche pour se promener avec le... C'est bien bâtonné. Dans l'appartement. Et en même temps, je dirai le texte qui va avec. Mmh. Mais comme il faut absolument faire quelque chose de très... Ok. Alors, c'est de l'essence naturelle de benjoin. Si certains connaissent, le benjoin est utilisé aussi en pharmacologie, en médecine. Voilà. Saint-Benoît, encens naturel, benjoin, contre les embûches de nos ennemis. Donc après, vous avez l'histoire de Saint-Benoît, et après la prière, qui est derrière. Bah en fait, on a une mauvaise entité ici. Voilà, pour faire court, on a une très mauvaise entité. Entité maléfique. Au début, j'ai cru que c'était juste quelqu'un qui avait perdu... C'est ça, on va purifier la maison. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, on a installé... Donc là, on va faire brûler la sauge. Donc ça, c'est une feuille de sauge blanche. Un bouquet. Un petit bouquet. Que je vais partager. Voilà, hop. Je vais le passer sur toutes ces affaires. Ne casse rien. C'est la télécommande. Voilà, donc on purifie avec de la sauge blanche. Ça m'a piqué. Ça m'a repoussé, ça m'a piqué. J'ai dû rencontrer oui. Des choses qui... Énormément de manifestations. C'était pas rire, c'était pas joli. Qu'elle va emmener en fait. C'est ça. Parce qu'il faudra aérer demain. Bah, il faut quand même essayer de le laisser. Mais au moins pour toute la nuit, ouais, comme ça au moins ça aide bien. Désolé, mais c'est vrai que ça peut être une odeur qu'on apprécie pas forcément. Ah bah nous ça va, on a l'habitude. C'est-à-dire que quand on revient à l'enquête, il faut en avoir intérêt à se purifier. Bonsoir Chantal. Donc là, on fait une séance de purification dans le lieu avec de la sauge blanche. Donc, bougie blanche qui est allumée. Et l'encens. L'encens, tu l'avais allumé, l'encens? Oui, il l'avait. Oui. Bah, il éteint. Ah, je ne l'ai peut-être pas assez allumé. Il n'a pas brûlé assez. Rallume-le avec la bougie. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Tu l'as bien flambé? Effectivement. Il y a sûrement eu des messages qu'on a zappés, parce qu'on a dû parler un peu en même temps. Mais on réécoutera le live et je pense qu'il y a eu des messages pas mal assez troublants. Et je pense qu'il y a eu une insulte envers Cathy.
Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Je sais plus. Je sais plus, on m'a pas vu. Pas va te faire, mais un... Ça a ressemblé à une insulte, en tout cas. Ouais. Ouais. Pas sympathique. Là, j'ai parlé de Sabine avec du bébé. Voir ah oui, on a eu aussi le mot enceinte aussi. D'habitude, c'est toi qui devais insulter. On a eu le mot enceinte. Ouais, enceinte, ouais. Ça fait combien de temps qu'on a commencé le live? Je sais plus. On a commencé quasi... Ah, ça fait une petite demi-heure. Ouais. Du temps, 35 non, minutes, non, merci Michel. Et coucou Michel, je sais pas si je te l'ai dit, mais coucou. Surtout ici où il y a derrière quelque chose de. Il n'y a pas que là que c'est dessiné, dans sa chambre. Mm-hmm. Oui, non, mais pour l'instant, je suis en train de faire la cacher avec la peinture. Elle bouge bizarrement la fumée. J'ai ce qu'il faut. C'est peut-être ma respiration qui la tient, je crois. Le fait de faire caler des dessins. De... Oui, mais il ne connaissait pas, demande. Donc c'est merci, Périscope. Donc ce particulier nous a connus grâce à Périscope. Et voilà. C'est le mal de tête qui s'en va. Mal de tête s'en va? Ouais. Ça fait du bien. Ça te va avec la sauge? Ouais. Ça soulage un peu. Mm. Alors, je vais te dire, comme avec l'autre jour, quand on était avec... Dans l'histoire Sandrine, enfin, avec quelqu'un d'autre. Et qu'il faut absolument, quand tu ressens le truc, te rentrer en toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est rentrer vraiment en toi. Et pour expulser de l'intérieur... qui te fait du froid ou autre chose. Mmh. Ce que tu bonsoir, ressens de négatif. Coucou Zéna. Alors le lieu, c'est un particulier, les amis. D'accord. Donc on est chez une personne qui est une femme du nom de Sabine, qui est enceinte de 8 mois, qui va bientôt accoucher dans un mois. Et donc, voilà. Coucou Pierre, Pierrot. Je vais aller faire la salle de bain. Il tient maintenant? Ah ouais. Oui. Je l'ai bien. Il brûle. Oui, c'est bon. Ouais. J'ai même les gens du live qui m'ont dit qu'il avait une drôle de direction la fumée. Mmh. Sur plein de, ça faisait des vagues. Cathy, tu peux venir avec moi? Ouais, j'arrive. Là. Qui c'est qui fait des têtes? Wow. Putain, j'ai. Ouais. C'est pour ça que je te dis, je prends pas trop de deux. De rien, merci à vous. Qui c'est qui fait des têtes pas contentes là? Hein? Qui c'est qui est pas content? Hein? Donc voilà, pour faire simple, voilà. Donc, bon, de toute façon, on analysera demain. On réécoutera. Pour ceux et celles qui entendent des choses, ben, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ça sera. Mais je pense que c'est pas bon. Voilà. Oui. Ça, c'est la bouchine. Non, non, c'est pas énorme. Regardez. Non, c'est pas. Non, c'est... voilà. Ah, pas grave, Pierre. Oh, je te donnerai juste une fessée. Ah, punaise. Je suis tout transpirant. Après, on verra. Jana? Qu'est-ce qui se passe pour Jana? Oui, ok. De toute façon, je vais vous écrire après. Dès que je rentre. Non. C'est Cathy du groupe CDP. C
c'est l'autre personne qui travaille avec nous. Et celle qui travaille avec le groupe Esprit, elle s'appelle Solange. C'est pas Cathy. Bonsoir, Rachel. Ah ouais. Big up Esprit. Un groupe très sympathique. Elle a eu des ombres. Elle a eu pas mal de manifestations, des langues qui s'allument. Puis elle a entendu des voix aussi. Voilà. Voilà. Donc là, on fait une séance de purification. Donc on a fait brûler un peu de l'encens. Et voilà. Ok, merci Melinda. T'inquiète. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes ondes dans ce live pour nous aider. Et de toute façon, on a fait appel à Saint-Benoît. Donc Saint-Benoît, c'est le protecteur des mauvaises entités qui fait les exorcismes. Voilà. Alors pour la prière, il faudra que je demande à Cécile de la publier. Qu'elle vous la passe. Voilà. Attendez encore, Jérémy. Attends, je vais demander quand même. Elle demande si elle peut rentrer. C'est bon ou pas? J'ai pas tout à fait fini. Pas encore. Mais c'est bientôt. Bientôt. Bientôt, bientôt. Faut pas attendre demain pour aérer, il faut le faire tout de suite après. Ah mais c'est du costaud hein, Sylvie. Je sais pas si t'as entendu tout ce qu'il a dit, tout ce que c'était. Et c'est costaud. Hein. Et puis même quand on est rentré dans le lieu. Ouais, merci Viro. Puis même le chien, elle a un chien aussi, il se fait aussi martyriser, donc c'est bon. C'était un viol. Merci Pascal. Bon week-end aussi à toi. Oui. Je pense que oui. Coucou cadeau. Ouh. Chaud. Je sais pas si c'est la bougie, mais ça a chaud. J'avais même amené, vous savez, mon pad, ma tablette, parce que j'avais téléchargé une application de l'infrarouge pour remplacer la caméra. Coucou Endor. C'est ça. Alors, moi j'ai simplement. Ah, t'as bien raison, Stéphanie. T'es très bien. Ça protège pas mal. C'est excellent. Oh, c'est bientôt fini, Elodie. On va pas tarder à s'arrêter. Dès que le particulier rentre, on arrête. Elle est partout, la brunette. Merci, Mirella. Ouais, c'est normal. C'est ça, l'esprit CDP. Quand on a des problèmes, ben voilà, on essaie de les résoudre. Bon, après, je vous dis pas si ça va aider ou pas, mais je pense que voilà quoi. Je pense que ça ira. Ça ira. Il faut que ça aille de toute façon. Alors, Chloé, elle est à Mulhouse en fait. Donc, s'il faut aller à Mulhouse, la chercher, là, c'est bon. Non, je me dirai jamais. Ouais, ça marche. De toute façon. Garde Sabine en contact, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Merci Mika. Bonne soirée à toi, bonne nuit et à bientôt. Merci Elodie. Nous aussi on vous adore. Prends tes pieds et viens. C'est ça, ouais. Fais gaffe. Tu sais, hein, mieux c'est pas aussi bien que ça. Eh ouais, c'est ça son rythme.
Double vie. Sur Periscope, on est quelqu'un d'autre et sur Facebook aussi. Lol. Moi, je sais qu'il y a eu d'autres enquêteurs qui font aussi des enquêtes, mais celle-là, elle était prévue depuis pas mal de temps. Depuis, je crois qu'une semaine. Mais c'est bien. Donc, je remercie beaucoup Sabine de sa confiance. Et je lui dirai envie de voir encore. Voilà. Ne me cherche pas, Chloé. C'est que moi, attention, je suis de parole. Eh oui, Myrle. Non, je pense que c'est bon. De toute façon, on a tout amené pour l'aider. Et voilà quoi. Oh. Tu l'as senti? Ouais. Oh, punaise, ma tête. De quoi? On vous a suivi? Non, mais on a... Mais j'avais besoin, d'ondes positives avec moi, vu que tu ne nous as pas accompagnés. Oui. Mais je veux dire que dans la chambre, on avait du très lourd. Dans la salle de bain aussi, quand tu m'as appelé, là, je suis rentrée. Je l'ai appelé parce que moi, je sentais que je ne pouvais pas avancer toute seule, sinon j'allais être encerclée. Mm-hmm. Donc du coup, dans la chambre, je l'ai appelé. Et dans la chambre, on a fait, je pense, un assez bon travail. Le risque du bébé, on me demande. Après, on a ressenti moins froid. Hein? Le risque du bébé, on me demande. Possession. Oui. Possession. Par contre, sur le mur de la chambre, on dirait une... C'est ça. On dirait qu'elle a dessiné un visage de démon. On est aussi sur Periscope. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs sur le mur, donc on a. Caché, ouais. Ils ont été cachés, mais. Mais on les voit bien hein, avec voilà. Les oreilles. Tu vois qu'il y a des cornes. Il y a les oreilles, les cornes. Il y a. Tu vas les voir. Il y a un serpent. Un serpent. Ouais, serpent. Ouais. Je le vois là. Voilà. Donc là, normalement, le lit devrait avoir moins froid. Et là, le visage. Tu vois, dirais des oreilles, des cornes, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois bien le visage. Caché. Hein. Tu vois, il y a plein de dessins partout. Et là aussi, regarde, ici. Tu vois, tu as le corps du serpent qui remonte, avec ici la tête et les deux cornes qui sont là. Ouais. Et la gueule, un peu comme Alien. Tu vois ce que je veux dire. Mais t'as pris des photos de moi du mur? Non. Bon, ça serait intéressant d'en prendre. Vas-y. Parce que comme ça, tu les diffuseras parce que moi, je suis moins douée avec ce domaine-là. C'est quoi moi, ça encore? Je suis encore plus dans le spirituel que. Je suis pas sûre que tu les vois sur ton téléphone. Si. Il les voit, les. Oui. Il les voit, d'accord. Ouais. Tu peux t'approcher. Peut-être qu'avec le flash. Attends, Alex. Après, on va prendre en photo. Qu'est-ce qu'il va prendre en photo? Ouais. Zoom. Non, ça, il y a avec le flash, tu vois pas. Enlève-le le flash, puisqu'il y a de la lumière. Et zoom. Okay. Alors ici, il y avait un sexe. Avec le zoom après, tu vois pas trop. C'est les cauchemars que je faisais. Ouais, j'ai bien compris. Donc on a réussi à avoir un. Oui, malheureusement, oui. Et celui-là, tu peux le prendre, il sera intéressant à montrer. Tu vois, je vois pas trop. De toute façon, toutes ces photos, on les publiera. Non. Okay. Hein? Il y en a un par là. Mais celui-là, il t'a servi vraiment de. Ce mur-là, en fait, c'est ça, je ressentais comme si quelqu'un. Tout ce que tu pouvais pas dire, tu l'as mis là. Comme si quelqu'un me cherchait à. En fait, c'est ça. Parce que celui-là, le visage, j'en ai un démon, avec des cornes et tout. Il est là encore. Mais c'est des cauchemars que je faisais. Un peu. On a beaucoup plus chaud, je vais. Non, j'ai toujours ce froid là qui me suit. Là. Ouais. Mais parce qu'on est retourné dans la pièce. C'est quoi ça? Ah, ça claque de dehors, c'est bon. On est retourné là-bas, on est revenu là. Donc. Alors je vais recommencer. Et du coup, pour. Qu'est-ce qui se. Tu vois, une fois que je me mets là, j'ai plus froid. Quand je me mets sur mon texte. Je n'ai plus froid, alors que tout à l'heure, au début, j'avais encore très très froid. Déconseillez-les de coucher dans leur chambre. Là. Oui. Je sens pas bon. Comme ça, là. Oui. Il faut qu'elle dorme. Mais, normalement, ça devrait, avec la
en laissant la sauce. C'est pour ça qu'il ne faut pas aérer pour l'instant. Désolée. Mais bon. Alors ça, c'est en fait, c'est des dessins que la personne a fait. De ses cauchemars. Elle les a exprimés sur les murs. Alors donc là, sur le live. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais bon, ça va être difficile. Je n'ai pas couché dans votre chambre. Non, je faisais beaucoup les cauchemars. Voilà, les amis. Avant que je me devienne, en fait. J'ai une douleur. Je pense qu'on entend beaucoup. T'as chaud. Il y a quelque chose qui rentre. Ouais, j'ai entendu que c'est le truc là. C'est le Gould. Hein ? Je suis pas fou. Hein. Je sais pas, il y en avait qui l'a écrit, mais il me dit juste qu'on entend quelque chose. Ouais, on sent bien qu'il y avait le mot Gould à la fin. Puis on a entendu un mec parler aussi, mais je sais plus ce qu'il a dit. L'insulter ta mère. Bah, il y a des voitures qui passaient des fois. Femme enceinte. Femme enceinte. Et puis. Ouais. Voilà les amis. Bon bah écoutez, on va terminer ce live, cette enquête maintenant. En tout cas, nous remercions tous ceux et celles qui étaient là. Et puis merci pour vos bonnes ondes. Et de toute façon, on vous tient au courant. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci.